To save our world, we tore the Shadow Titan down. We had to, after he shattered the sun. But how could we have known that from his broken husk, a terrible curse would swallow the land? The blight spilled forth and covered all in darkness. Now we have taken refuge in the mountaintops, and our heroes descend into the abyss. We face overwhelming evil and horrors beyond compare. So we harness ancient powers, employ cunning, strength, to retake our realm. We are Blightbound. Donc voilà, c'était la présentation de Blighthound, Blightbound. Donc en tout cas, salutations mes petits amis YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau jeu qui est en Early Access, qui est Blightbound. Donc Blightbound est en anglais, malheureusement, pour le moment. Et Blightbound, qu'est-ce que c'est? C'est un dungeon crawler qui peut se jouer que online et auquel on va jouer à plusieurs. Alors ils ont remis à zéro mes sauvegardes, donc je vais pas pouvoir vous montrer tous les persos, etc. Ou au moins ceux que j'avais pu débloquer. Mais je vais essayer de vous expliquer au mieux et de vous montrer plusieurs personnes. Enfin plusieurs personnages. Donc c'est un dungeon crawler où on va avoir on va pouvoir récolter des items, on va avoir des personnages différents. On va pouvoir avoir jusqu'à 11 personnages. Alors de base on en a 3. Le guerrier qui est ici. La voleuse, on va dire, enfin l'assassin, et le mage qui va être un heal et qui va faire des dégâts. Vous pouvez d'ores et déjà voir qu'ils vont avoir des pouvoirs qui sont personnalisés, hein, suivant le personnage. Le guerrier c'est plus un tank, forcément l'assassin c'est plus un DPS, et le mage, il a des heals et des gros sorts quoi. On voit qu'ils ont chacun un niveau, qu'ils ont chacun des statistiques, avec la puissance qui va augmenter les dégâts, avec l'agilité qui va augmenter le vitesse de déplacement et les critiques, et les dégâts critiques, il me semble, ouais, dégâts critiques. On a la vitalité qui va augmenter les points de vie, on a la sagesse ou le wile qui va réduire les cooldowns des sorts. Et on a la chance qui va nous permettre d'avoir des items, d'avoir plus d'items quoi en fait. Donc ça peut être sympa. Alors, ceci étant dit, chacun des personnages a de l'équipement, un équipement, une arme spécifique et des trinkets. Pas tout le monde peut mettre le même nombre de trinkets, parce que généralement ils ont 4 objets. Par exemple le guerrier ça va être une épée et un bouclier, l'assassin ça va être 2 armes. Et le mage il a que son bâton, mais alors du coup il peut mettre 3 trinkets. Donc ça c'est plutôt sympa. Et le journal c'est les quêtes qu'on va devoir faire avec chacun. Vous voyez que j'ai déjà fait une quête avec le barbare d'ailleurs, enfin avec le guerrier. Et donc vous pouvez recommencer à chaque fois. Donc ça c'était pour la présentation entre guillemets rapide de tout ça. On peut avoir un artisan aussi. L'artisan par exemple, je sais pas moi ce que je peux faire. Voilà, mon épée me plaît par exemple de 200. C'est bien. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment. Comment dirais-je ça, c'est un panneau raccourci pour pouvoir installer rapidement les équipements sur quelqu'un. Si j'ai envie, par exemple, là, je viens de récupérer la cape d'esquive. Est-ce que j'ai envie de la mettre à quelqu'un de particulier? Pas vraiment. J'aurais pu la mettre au guerrier d'ailleurs, mais 200 de vie je préfère. Ah, 20 critiques, ouais, voilà, tiens, par exemple sur lui. Parce qu'on s'en fout de ses dégâts critiques. Je peux y mettre de l'esquive en plus. Voilà, et après on va pouvoir personnaliser chacun des personnages comme ça. Donc comme je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, il va y avoir 11 héros. On le voit là, hein, là j'en ai 3 sur 11. On va avoir des artisans. On va avoir des assistants d'artisans et des survivants. Donc il faut récupérer tout ça pour le faire. Pour récupérer tout ça. Donc là par exemple, la première quête c'est de déverrouiller le quartermaster artisan. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, on le voit là. Hop, pardon, on le voit là.
et c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Au fur et à mesure du temps, vous en aurez beaucoup plus qui vont arriver. Alors, donc ça, c'est voilà, c'est une des particularités. Là, on peut regarder un petit peu le décor, qui est plutôt assez sympa. Comme vous l'avez peut-être compris dans la vidéo d'introduction, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a une espèce de brume qui détruit tous les vivants et qui a transformé tout le monde en monstre. Mais il y a quand même des survivants, donc on va aller chercher les survivants. C'est pas le scénario qui va nous étouffer dans ce jeu, ça c'est clair. C'est un jeu qui généralement va se jouer avec deux potes. Alors pour cette vidéo, je vais le présenter tout seul. Mais voilà, je pourrais jouer avec deux potes et faire les missions à trois. Toutes les missions vont se faire à trois. Là par exemple, je vais choisir un personnage. Alors bon, on peut prendre celui qu'on veut. Ouais, à la limite, je vais faire avec le mage, tiens. Et donc, on va cliquer sur jouer. Et là, ça va rechercher une partie. Alors, comme tous les jeux en Early Access, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas trop de joueurs. J'ai déjà testé, enfin, je me suis déjà retrouvé à attendre relativement et plusieurs minutes pour trouver un groupe. Comme des fois, ça peut aller très très vite. Donc, bon... C'est... Voilà, ça va dépendre vraiment... Vous voyez, là, ça va relativement vite. Enfin, du moins, j'ai l'impression. On peut jouer au clavier ou à la souris. À la clavier-souris ou à la manette. Moi, personnellement, par exemple, je préfère jouer à la manette. On peut voir que... Bah, après, il faut recommencer le jeu à chaque fois avec chacun des personnages. Hein, c'est un dungeon crawler. Donc, suivant le personnage que vous voulez monter, il faut refaire toutes les missions. Donc, bon... Pardon. Bref. Donc oui, il faut trouver le temps, voilà, de récupérer des gens. Et vous voyez ce message waiting for player to join. C'est très très chiant. Alors c'est un jeu en early, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais du coup, il y a pas le peu de joueurs qu'il y a, ils ont du mal à trouver des parties. Donc du coup, ils quittent le jeu ou ils recommandent pas le jeu. Donc ça fait qu'il y a de moins en moins de personnes. Et inversement, s'il commence à y avoir du monde dessus, bah au contraire, on n'attendra pratiquement pas. Ou alors, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de jouer avec deux potes. Sachant que le jeu vaut à peu près 20$, donc ça va faire à peu près une vingtaine d'euros aussi. Il y aura sûrement le prix au début de la vidéo, je m'en souviens pas là de tête. Et le problème aussi, c'est que suivant le personnage que vous voulez jouer, vous allez le trouver plus ou moins facilement. Sachant que, bah, par exemple, là je voulais vous montrer le mage, mais pratiquement tout le monde joue mage, parce que bah, voilà, les gens aiment bien mage, donc bah, voilà, ça fait chier, donc on peut difficilement monter son mage. Encore une fois, voilà, quelque chose qui pourrait être très facilement, comment dirais-je, fait si les gens avaient... Enfin, je pense que un des problèmes du jeu, mais ça je le dis souvent malheureusement, dans ce genre de jeu, c'est le succès qui va faire le jeu, c'est que ça va faire un succès boule de neige. C'est-à-dire que s'il y a des gens, il y a beaucoup de gens et que ça a du succès, ça aura encore plus de succès parce qu'il y aura des gens et parce qu'on n'attendra pas des parties. Mais si vous êtes comme moi, à jouer tout seul, à pas avoir les potes disponibles ou pas avoir ou qu'ils n'ont pas encore le jeu, ou qu'ils n'ont pas le jeu tout simplement, et vous êtes là à jouer tout seul, eh ben, ça peut durer longtemps. Parce que mine de rien, là, ça fait déjà quelques minutes que je suis en train d'attendre pour rejoindre une partie. On va changer de personnage. Peut-être que je trouverai plus rapidement, mais donc ça va être le hasard qui va décider hein, de quel personnage je vais prendre. Dans tous les cas, bah oui, j'aimerais bien vous montrer quand même un petit peu de gameplay. Limite, enfin c'est dommage, j'aurais peut-être dû vous montrer le tuto alors du coup. Mais bon, en tout cas au moins je peux vraiment vous montrer ce problème là, qui malheureusement bah, est récurrent dans ce genre de jeu. Ils y peuvent pas grand... Enfin, le truc qu'ils auraient pu faire, c'est faire une grosse promo à la sortie du jeu. Plutôt que de le vendre 20 balles, le vendre 6 balles, enfin le vendre 18 balles mais avec 3 clés. Ça fait une grosse ristourne, hein, je dis pas, mais au moins ça permet qu'il y ait plus de joueurs. Parce que là le problème c'est toujours le même, c'est que bah, avoir, bah, on est là, on attend, et honnêtement au moins voilà, je vais pas passer un quart d'heure, enfin ça fait déjà au moins 5 minutes je suppose, que j'attends pour trouver une partie. Globalement, je me fais chier, quoi. Je serais pas en train de tourner, je m'embêterais tout simplement. Donc, c'est un peu problématique, malheureusement. Donc, bon, on va essayer de rechanger de perso encore une fois. Hop,
Parce que... Bon, ben il faut attendre. C'est un peu chiant, quoi. Ah, c'est même très très chiant et c'est un des plus gros défauts du jeu, d'ailleurs. Ah, enfin, purée, j'ai trouvé une partie. Le problème, c'est que je joue, bah, voilà, un perso, le guerrier, malheureusement. Là, ça joue l'assassin. Et là, ça joue un mage que je n'ai pas, normalement. On a une team power de 7. Moi, je m'en fous de la mission qu'on va faire, donc prenons celle-là. En plus, c'est une easy, donc ça ira très bien. Donc, If any of you fall behind, I will not drag you along. Ok, donc moi je vais avoir le rôle de tank. Alors déjà, bon, ça va pas être spécialement évident de... Comment dirais-je? Ah, bon. Ça va pas être spécialement évident de vous parler du jeu. Donc je vous laisse apprécier les graphismes. On aime ou on aime pas. Tiens, elles sont sympas les armes de l'assassin. Hop. Donc on a chacun notre pseudo au-dessus de la tête. Hop. Tant en temps, on doit aider le pote mage, on doit casser les choses. Alors les butins sont personnalisés, hein. Entre guillemets, voilà, on a des petites épreuves à passer comme ceci qui sont assez simples, entre guillemets. Les personnages de base sont pas les moins puissants à mon avis. Mais bon, ça après c'est que mon avis. Je pense que plus on squatte un personnage, plus on a de la puissance. Et ensuite, on n'a pas forcément envie d'en changer, mais bon. Ou alors au contraire, lassé, on n'aura qu'une seule envie, c'est de changer de personnage. Look ahead. Donc là, on a pu voir que je viens de me faire bouffer, malheureusement. Ok, il s'est fait bouffer aussi. Oh, c'est peut-être un de ses pouvoirs. D'accord. Ça doit être un de ses pouvoirs. Donc moi, j'ai un pouvoir de dash, j'ai un pouvoir de d'aggro, littéralement. Pour éviter... Merde, je me suis fait empoisonner. Pour éviter que mes potes se fassent avoir, quelque part. Hop. Tac. Donc on va casser le décor pour trouver des objets. On va avancer. Après c'est du dungeon crawling, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Chacun des personnages se joue bien différemment. Vous pouvez voir que moi j'ai des petites, des petits boucliers vides. Et que le mage a des petites boules vides par exemple. Ouais, un bouclier, ça c'est cool. Et ça, ça va nous permettre... par la suite, entre guillemets, de pouvoir gagner des choses. C'est-à-dire que le mage, il peut avoir 3 points de mana. Enfin, ce mage-là, parce que je le connais pas, à vrai dire. J'avais pas réussi à avoir les 11 personnages. Bon, c'est bon, je peux parler? Merci. Donc oui, les traductions sont faites en anglais. Oh, il y a un joli item là-bas. Hop, faut savoir la choper la clé. Hop, le mage est parti tout seul parce que c'est un mage. Je sais pas si il ce mage d'ailleurs. Ah. Alors, ouah, je prends tarif. Bah, vu que le mage nous heal pas, je risque même de perdre la vie là-dessus. Ah si, ça y est. Il se décide à nous heal. Donc on peut voir que j'ai plusieurs capacités. Petite énigme à la con. On va suivre... on va libérer le deuxième. Vous êtes gentil, mais moi je suis là pour le loot. Ouais, y a que dalle. Donc j'ai des dash, j'ai des coups d'épée, je peux bloquer les attaques. J'ai cette espèce d'aggro, enfin de points de dégâts. J'ai cet aggro là, j'ai quelques petits trucs. Je suis complètement à la bourre par rapport aux autres. D'ailleurs, il pourrait servir de la clé pour ouvrir, mais bon, bref. Ah bah j'ai été TP avec les autres, ok. Le même le jeu qui pense que je suis trop lent. Hop, et on va continuer. Donc voilà, toutes les missions se passent plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs. Porte, monstre, trésor. On arrive, on tabasse des choses. On essaie de survivre du mieux qu'on peut. Hop. On ramasse des objets.
on améliore son personnage, on va plus loin. C'est le principe de base. Après, il faut voir. Bon, l'histoire, comme j'ai dit, elle est un peu débile. Mais, c'est-à-dire qu'on va dans un hub, on fait tout ce qu'on a à faire. Et on recommence. Oui, je vous emmerde. Hop, attendez, faut pas oublier d'activer ça. D'accord, t'es content d'avoir loupé ton truc? Ah, merde. Ah, j'ai dit ça, je me loupe juste derrière. On va attendre 2 secondes. Hop. Alors quand on meurt d'ailleurs, on va peut-être le voir, mais... Quand on meurt, en fait, on se retrouve au sol, nos potes peuvent nous... nous raise. Voilà, encore une énigme débile, mais bon. Allez, meurt la mage. L'assassin, là, elle devrait mourir exprès. Pour... Oula, on a eu plein de trésors. Pour... pour qu'on puisse la raise, et puis ça m'arrangerait de vous montrer les raises. Ou alors l'autre pourrait nous heal aussi, ça pourrait être sympa. Hein? Non? Bon, enfin. Donc voilà, ça va continuer comme ça. Toutes les missions sont plus ou moins les mêmes. Bon, le problème c'est que le guerrier, j'arrive qu'à jouer le guerrier là pour faire cette vidéo. C'est pas mon personnage préféré. Honnêtement, c'est vrai, enfin ils sont assez différents. Et là, le guerrier, je trouve que le côté guerrier, en tout cas dans les missions que j'ai faites, est un peu inutile. C'est à dire que on n'a pas vraiment besoin d'un tank en fait. Le heal est très très utile, le dégât aussi, mais le tank, malheureusement. C'est pas ce que... Oula, il y a un objet vert là. Ah, c'est un bâton de mage justement. C'est cool. Ça pourra m'aider à mieux stuffer mon mage. Ah, eux ils tracent, peut-être qu'ils connaissent mieux que moi, hein, mais moi perso j'ai besoin d'items, j'ai besoin de fric. Donc tout ce que je peux récupérer, je vais essayer de l'avoir. D'ailleurs je comprends pas pourquoi les gens ne lootent pas quoi. Enfin ils sont gentils mais... On est quand même là pour choper les loots quoi. Enfin c'est un peu le but du jeu. Bon, en plus le problème c'est que du coup ils vont plus vite que moi, donc du coup je suis pas forcément dans l'action. Mais ça va pas empêcher d'avoir tous les loots à la fin, hein, au passage. Mais je pense que le mage que je connais pas là dont je vous parlais là, celui qui vient de se TP. Je pense que c'est un personnage qui a déjà beaucoup de stuff et qui a eu ce personnage là et qui veut le monter tout simplement. Donc du coup, il est obligé de se refaire la mission bas niveau, mais l'avantage, c'est qu'il a déjà du stuff de haut niveau. Bon, après, c'est un dungeon crawler classique, entre guillemets. On va appuyer sur le bouton. Alors, les runs sont pas très longs, généralement. Je dirais un quart d'heure à 20 minutes. Hop. Tac. Ouais. Hop là, je suis revenu à temps. Heureusement qu'il a pingé parce que sinon. Ah, mais attends là. Est-ce que ça se casse ça? Non. Alors, les graphismes, je les trouve plutôt sympas. Les musiques, je les trouve un peu sympas. Bah, en fait, le jeu, je le trouve sympa quoi. Tout simplement. Je trouve que c'est assez. Bon, après, faut aimer le style. Comme je disais, son plus gros défaut, c'est qu'il y a personne. Et c'est bien ça le souci, c'est que le jeu est pas mal. Mais s'il y a personne, bah, on va se faire chier dans ce jeu très très vite quoi. Donc c'est vraiment pour jouer à plusieurs, je pense. Et j'espère que le jeu aura du succès, parce que franchement, il le mérite. Si j'ai bien compris, en plus, il y aura des mises à jour relativement régulières, où justement, on va avoir des nouveaux persos, des nouveaux héros et des nouvelles choses. Ah, merde, il y a une nouvelle quête qui est arrivée, que je ne connais pas, et je suis obligé de me... Enfin, que je connais plus, du moins. Et ils m'attendent pas, hein, forcément. Donc on fait ce qu'on peut pour arriver aussi vite qu'on peut. Hop, j'ai pas vu qu'ils avaient libéré. Mais ça peut être cool, hein. J'ai besoin de personnes aussi dans mon petit village. Alors, là on va arriver au boss. Si je me rappelle bien. Donc vous voyez, le donjon a duré quoi? Je regarde l'heure d'enregistrement. Non mais descendez les gars. S'ils viennent pas, on est dans la merde, donc bon. Le donjon a duré quoi? Ouais, 10-15 minutes maximum. Donc c'est des petites séances. Il y a des donjons plus longs, il y a des donjons plus courts. Ça après, c'est suivant le niveau.
Je pense pas que ce soit procédural, hein, les donjons, c'est merde. Les donjons sont les donjons. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, par moment, change un petit peu. Du moins, j'ai cru. Après, j'ai pas des milliards d'heures sur le jeu. Pour la simple et bonne raison que, pour le moment, comme je disais, le gros souci, c'est que si on joue seul, bah, on en chie pour trouver des gens et pour avoir ce que l'on souhaite. Et ça, c'est plutôt dommage. Ah bah voilà le boss. Mgler the Alien. Allez. On va essayer de l'aggro. Bonjour monsieur. Ah bah d'accord, il a complètement vaporisé. Bah je vais quand même me transformer. C'est le pouvoir que j'allais faire. Bon, bah écoutez, c'est une victoire. Donc voilà mon avis principal sur le jeu. Bah, on a récupéré pas mal de choses, ça c'est cool. Ah, une arme bleue, une arme blanche, des trinkets et pas mal de tout. Et en plus de ça, on a eu de la notoriété qui a augmenté. Et ça, c'est cool. Et j'ai débloqué donc un artisan. Donc je vais commencer par livre le groupe. Hop, voilà. Pour éviter de les embêter. Donc j'ai débloqué un nouvel artisan qui est le mentor. Qui va me permettre de... comment ça s'appelle ? Ouais, non, je peux pas pour le coup. Enfin bref, qui va me permettre de débloquer certains autres artisans, qui va me permettre de débloquer certaines autres choses. C'est assez sympathique comme système. Mais ouais, le New Gold complète le tutoriel, je l'ai fait, hein, t'es gentil, mais... Bon, enfin bref. Je sais pas pourquoi il me remet le tutoriel. Mais voilà, donc une fois qu'on a eu son matos, ben, on peut venir hop, changer les personnages là. Ça j'ai pas envie, ça. 40 skills. Hop là, c'est pour lui. Sachant qu'après je pourrais très bien les rechanger si je veux. Et si je chope un autre mage et que j'ai envie de lui donner ça, je pourrais très bien le récupérer. Donc voilà, c'était grosso modo ma présentation de Blighthound. Je referai peut-être une vidéo si j'ai d'autres clés pour mes camarades de jeu. Mais sinon, clairement, le souci, c'est le manque de joueurs à l'heure actuelle. Après, le jeu est en early access, hein, mais sinon, le jeu est très très bien. C'est dommage, moi je regrette qu'il n'y ait pas un mode solo où on puisse aller farmer tout seul, quoi. Si on a envie de jouer en pur solo, ça serait, quitte à ce que ce soit plus dur, hein, mais bah, ça me semble plus sympa, quoi. Tout simplement. Après, encore une fois, voilà, on va voir comment ça se passe. En tout cas, voilà, c'était une vidéo de Blighthound. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo de test ou pour autre chose. Allez, bye bye, mes petits amis YouTube.